pour voir qui fait partie d'un groupe, je peux, dans le groupe, cliquer et voir les participants. Vous voyez que Eric est dans le groupe A. Il est également dans le groupe B. Le groupe C est vide. Une autre façon de voir les membres d'un groupe, c'est dans l'onglet participants. Vous voyez que en face des noms des participants, il y a le statut et les groupes auxquels ils appartiennent. Vous voyez que Eric fait partie du groupe A et du groupe B, et Thoiry fait partie d'aucun groupe.